Les potagers de Julie, la co-animatrice Lola Perrier, un lien de parenté avec Jean-Marie Perrier. Julie Andrieux s'est lancée, depuis quelques mois, dans un nouveau défi. Depuis fin septembre sur France 3. La célèbre animatrice et critique gastronomique est à la tête d'une nouvelle émission, Les potagers de Julie. Toutes les semaines, la femme de Stéphane Delageau part à la rencontre de jardiniers et jardinières pour mettre en valeur une région et un légume. Bien évidemment, Julie Andrieux n'a pas abandonné son tablier et ses fourneaux puisqu'elle proposera des recettes avec sa récolte du jour. J'avais envie d'apprendre à cultiver des légumes, car je n'y connais pas grand-chose. A-t-elle expliqué à Télé 7 jours. Je suis une urbaine et n'ai pas eu cette culture-là. J'ai appris la cuisine sur le tas et j'ai eu envie de faire de même avec le maraîchage. Et puis l'autonomie alimentaire a pris une autre ampleur après le Covid et les différents confinements. C'est un sujet de société à part entière. La reine de la cuisine de France 3 n'a pas seulement parcouru les potagers de France. Elle se lance aussi un défi en créant son propre potager avec l'aide de Lola Perrier, une jeune maraîchère d'Île-de-France. Et cette dernière est la fille d'une célébrité comme l'a révélé Julie Andrieux. Elle co-anime l'émission avec Lola Perrier, la fille du photographe Jean-Marie Perrier. Devenue maraîchère, a-t-elle révélé. Elle m'apprendra le béaba de la culture des légumes. Et, ensemble, nous tenterons de les faire pousser dans le jardin de ma maison. Dans les Yvelines. Lola Perrier est en effet la sœur d'Arthur et Paul, les deux autres enfants de l'ex-compagnon de Françoise Hardy. Sur Instagram, la jeune femme partage sa passion pour la culture de légumes bio en publiant ses plus belles photos. Avec son basilic ou encore ses belles tomates, elle régale visuellement les internautes. Elle poste également des clichés de son cher papa avec lequel elle est si complice. Lola Perrier connaît bien Julie Andrieux. L'animatrice a été la compagne de Jean-Marie Perrier. Ce dernier avait rencontré la spécialiste cuisine de France Télévisions à France Soir alors qu'elle n'avait que 18 ans. À l'époque, elle était également photographe, avant d'abandonner ce métier. Les ex-amants n'ont cependant jamais coupé leurs liens. Une affaire de cœur.